Salut tout le monde, c'est Cyril Ariel, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de The Evil Within que je tourne directement à la suite du précédent, qui lui aussi était tourné à la suite du précédent, ce qui veut dire que je tourne la troisième vidéo à la suite. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait beaucoup d'enchaînements en vidéo. Bah, problème de temps, enfin bref, de toute façon tout le monde s'en fout, allez on est parti. Des balles, ça c'est cool. D'accord. Ça a l'air bien sympathique en bas. Passer tranquillement là. Voilà, c'est encore mieux de désamorcer. Bref, c'est mieux. Ici, il y a plein de clous. Ça laisse à supposer qu'il y a un vieux piège. D'un côté ou l'autre de la porte. Ah ah! Petite statuette. J'ai failli pas la voir avec tous les débris. C'est cool. On a une petite clé supplémentaire à utiliser. Et... C'est pas un fil là? Non, c'est juste le mur qui est dégueulasse. Oh voilà, j'ai fait le tour pour cette pièce. Je sais pas, ces trucs à pointe ne me disent rien qui vaille. Ok, c'est un mannequin. Pendant, j'ai eu peur. Enfin, peur, le... C'est un bien grand mot, disons que je n'étais pas rassuré. Alors, avons-nous quelque chose là-bas? Un mec qui a pas l'air content. Et ici. La même. La porte qui se ferme derrière moi, ça c'était couru d'avance. J'aime un peu moins. Voilà, c'est tous ces bruits-là. Si je coupe ça, je devrais pouvoir me la jouer discrète. Va-t-il aller voir? Oui. Aïe aïe aïe. Ah, il m'a vu. Ah, bouge pas. Oula. D'accord. Normal. Dites-moi que je rêve. Ah, c'est trop fort. Avoir déclenché ça, ça nous montre un truc intéressant. Et je crois que je me suis rabaissé à temps. Bon, nous, c'est là-bas qu'on doit aller. Ah, la zone de fou. Qu'est-ce qui tire là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh putain! Y a un sniper au-dessus ou quoi? Ouais. Là, je le vois pas. Mais y a très clairement quelqu'un qui me tire dessus. Ah bah, voilà, c'est. C'est la lumière qui est là-bas. Alors, on va se l'allumer. Ça va le calmer un peu. Merde, je vise pas au bon endroit. Ah si, je visais au bon endroit. Merde. Et bim. Alors. Et puis le malin, hein. Non mais oh. C'est qui le patron ici? Bon, le sniper étant over. Ah, faut que je ramasse ça.
toujours sympa. Je crois avoir vu une échelle. Soyons furtifs. Oh putain. Bon chef, pour le côté furtif c'est mort hein. Ah putain. Fous le feu. Ah j'ai plus d'allumettes. Non mais oh. Et puis quoi encore les gars? Ah la position qu'il a lui, le cadavre. Enfin bref. J'ai cru voir que je pouvais péter des caisses. Voilà. Ça, ça fait toujours plaisir. Je crois que je pouvais ramasser un truc par terre ici. Juste là, une bouteille. Ouais, c'est pas intéressant. On va désactiver ça. Tranquille, je suis même plus inquiet maintenant. Je les rate plus, les trucs là. Alors ici... Ah, on a un ami juste en face. Et on va l'allumer. Voilà. J'ai eu un petit peu de mal. Mais ça s'est bien passé au final. Ai-je un soin? Ouais, j'en ai plus qu'un. Bon allez, on l'utilise. Si j'avais eu moins de vie, j'aurais utilisé la grosse touche de soin, mais... Mais là, avec la vie qui me restait, je trouve que ça faisait un petit peu gaspillage. Ah ah! Un truc intéressant. Mais ramassons ça d'abord. Parce que ramasser un truc intéressant, ça peut parfois valoir finir le chapitre. Valoir 2, finir le chapitre. Ouais, ça serait bien si je finissais mes phrases. Alors, batterie. Cette grosse batterie peut alimenter des appareils électriques en cas d'urgence. Ok. Je savais pas que j'avais besoin d'allumer un appareil électrique. On en apprend tous les jours. Je suppose que c'est pas les trucs qui sont là. Ici non plus. Comment je fais pour aller en face? C'est super comme attraction. Bon, à mon avis, je dois retourner en bas. Et je vais un petit peu explorer hein, du coup. Et on descend tranquillement. Bon. Je peux passer au-dessus. Je ne peux pas passer au-dessus. Donc, d'ici, tout ce que je peux faire, c'est aller là-bas. Ah mais mince, bah non. Que dois-je faire? J'ai dû louper un truc, hein, ça c'est sûr et certain. Ici y a rien. C'était peut-être encore en haut, hein, ce que je devais faire. Alors ici... Ah! C'est juste que je gérais mal le saut. Tout simplement. Voilà. Non, je venais de le voir. Je venais de le voir mais j'ai rien pu faire. Salut toi! T'as pas envie de te lever un coup? 2 secondes. ouais, c'était pas mal, j'ai bien aimé moi aussi.
Il y a l'air d'y avoir. C'est l'émission qu'il y a là-bas? C'est juste. Non, c'est. Ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai fait le tour. Ici, je fais le tour. Et on en a un qui va m'attendre une fois que je vais pouvoir rentrer. Je vais peut-être lui faire sa fête. Alors, je l'emmène dehors. Je tire juste une seule balle. Et je l'emmène dehors. Pourquoi tirer une balle alors qu'ils veulent me suivre direct? Bim! Oh, les deux d'un coup! Ah merde, encore un! Et bim! Pourquoi gaspiller des balles? Lui, il avait un gun, mais je suppose qu'il aura pas lâché de munitions. Voilà, ah, c'était sûr. Enfin bon, bref, ces trois-là étant éliminés proprement, on peut progresser. Toi. Oh, tout juste. Là, je suis en forme, hein, sur... je crois que je l'ai déjà dit l'épisode précédent ou au début de celui-ci. En tout cas, je suis en forme. Rien d'autre, non. Ici, des harpons, parce que ça fait toujours plaisir. Bah, celui-là, je peux pas le prendre. Chio Max. Et c'est ici que je suppose. Voilà, on rajoute ce que j'ai trouvé. La porte s'ouvre désormais et on va pouvoir se barrer. Mais à aucun moment j'ai vu une échelle pour aller à l'étage. Donc là où j'ai tué un mec tout à l'heure au sniper, on peut pas y aller. Ou alors on peut y aller. À partir de là. Bon, de toute façon j'avais ramassé un autre. Voilà. Donc ça s'est refermé derrière nous, ça on est habitué, rien de bien surprenant. Là-bas, il y a toujours un mec qui est en pleine panique. Je me demande ce qui se passe si je me prends le crochet. Ah, je traverse juste. C'est presque 2 secondes, tiens. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ah! Et? Et oh oh! Ah ah! Ouais. Et je trouve plein de fragments de cartes, mais ça me sert plus à rien. J'en ai raté plein en début de jeu. Je sais, je l'ai déjà dit, mais j'aime me répéter. Vous le savez pourtant. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il a pas l'air commode, hein. Pas l'air commode, et il a disparu. On va prendre ça. Un petit peu de truc électrique. Et là, si je me fais silencieux, c'est parce que j'essaye d'être concentré. Désolé, ça fait des blancs. Vous êtes habitué à ce que je parle en permanence. Mais bon, il y a des fois où c'est bien de se concentrer aussi. C'est bien beau toujours blablater, de faire entendre une qualité quelconque. Mais bon, voir aussi, c'est bien, je crois. Bon, ça je suppose. Voilà. On va prendre la clé. Quoi ce bruit? D'accord. D'accord, bah pourquoi pas. Je suppose que c'est... On a une rebelote avec ça ici. On peut passer par le côté pour aller voir quelque chose. Ça m'étonnerait pas. On ramasse ça. Depuis quelque temps, il est possible d'économiser beaucoup en faisant attention. Donc je sais pas si c'est logique car le jeu veut qu'on veuille qu'on joue comme ça. Ou si c'est parce que c'est mauvais signe. Bon, ça je peux pas interagir.
ça sera peut-être comme pour avec le avec la tronçonneuse, faut peut-être que je tue le mec qui a son sorte de sa sorte de grosse épée là pour ensuite donner un gros coup dans le levier et l'ouvrir, je sais pas, il y a moyen. Bon, en face il y a du monde. Ouais, merde. Allez, mène-toi. Encore le moins le malin maintenant. T'as l'autre qui va s'amener aussi. Non! Bim! Forcément, l'autre se relève. Bim! Bon. Ah, ça a pas suffi pour l'un des gars qui s'est ramené. Non, ça. Tiens, ça fait mal, hein. Et ça aussi, ça fait mal. Et toi, t'en as pas fini? Bim! Oh, il leur demande. Eh, hey, c'est carnage, hein? Quoi? Ah! Mais lâche-moi! Merde, c'est bon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà! Tu vois? Avec la lampe, on voit mieux. Ah non! Non! Laisse-moi! Voilà! Hein, c'était assez laborieux! Mais on a fini par en tirer un petit quelque chose. Et là, ils sont de shotgun, ça c'est bien. Et ben on a un passage. Ici, on a des choses diverses et variées. Bon, là-dedans, on a que dalle. Ah si! On a quand même un petit quelque chose. Voilà. Là-bas, on a un truc à énergie à récupérer. J'explore un petit peu en même temps, vous voyez. Ici, on a une grenade. À droite, là-bas, on a un putain de piège juste là. Eh, hey, maintenir, allez, voilà. Et ici... Aïe, 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 plein de trucs partout. D'accord, là en fait on retombe sur la même pièce qu'on voyait au loin. Hop là, tranquille. Ça, c'est récupéré. Oh, tout juste. Je joue un petit peu avec le feu là. Hein. Je pourrais tranquillement passer à côté, mais non, il faut que je vérifie. Hein. Ok, ça c'est bon, ça c'est fait. Il nous reste ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Bon. Un inventaire s'impose. Alors. Je vais peut-être refabriquer des harpons simples. Incendiaire, ouais. Corps explosif plein, électrique plein. Ah, là, on a vraiment la dose de carreaux, ce qui fait extrêmement plaisir. En munitions de shotgun, c'est pas la fête. En pistolet, c'est pas la fête. Ce qui fait que je vais repartir sur les carreaux hein, quelques temps. C'est tout. La luminosité de cette pièce est très particulière. En fait, on a l'impression de ne pas voir grand chose. Ça, je peux pas le fouiller. Ok, il y a une ambiance que je commence à pas du tout aimer là.
Ok, je crois qu'il est pas loin. À mon avis, là, on est dans la zone de combat, là. La zone de track. Faisons le plein de munitions. Hop. Le problème, c'est que je vois rien. Point de contrôle. D'accord. Alors j'ai peut-être esquive le mec, tout simplement, sans m'en rendre compte. Moi, ça fait toujours plaisir, hein, c'est sûr. Y a-t-il quelque chose, quoi que ce soit, visiblement non. Alors on continue par là. Par là, on peut pas, donc c'est ça en fait, plutôt, hein, tout simplement. Voilà. Je crois que ça va réactiver toute la machinerie. Voilà. Ce qui n'est pas bon signe du tout. Voilà, tout est rallumé. Et ça s'est réactivé, forcément. Eh non! Tiens, prends ça! Coupé en petits morceaux, t'en dis quoi, hein? Ah, même pas! Attends, je t'ai poussé dans les trucs, c'est dégueulasse! Bon, j'espère que ceci règle notre petit conflit. Cette histoire, je la sens pas du tout. Et voilà, voilà pourquoi je la sentais pas. Aïe. Ah bah voilà, je t'ai crevé là. Dis-moi que je t'ai crevé. Oui. T'étais pas si dangereux que ça finalement. Bon, j'avoue qu'au début il m'a un petit peu fait peur, j'avais pas confiance en moi. Mais après quelques balles bien placées, il l'a ramené plus. De toute façon, on est un peu obligé de le tuer, j'ai l'impression. Hop là. Qu'ai-je activé? Ah, la porte sûrement qui est là-bas. Oh putain! Ça a failli me faire bizarre. Bon, j'ai déjà activé une porte quelconque. Non? Bon, si ça, je peux pas y retourner. C'est pas là. Qu'est-ce que je rate? Ça, c'était pas comme ça tout à l'heure. Ah d'accord. Oh putain! J'ai failli rôtir. Bon. Est-ce que le calvaire est terminé? Oh putain! Oh putain!
Ok. J'ai juste du chaud, c'est tout. Ah. C'est une bonne idée d'essayer de retourner là-bas. Ah oui, on a une échelle juste là. D'accord, mais c'est... De toute façon, c'est de pire en pire ce jeu, il est de plus en plus atroce. Plus ça va, plus je me dis que les créateurs de ce jeu détestent les joueurs, en fait, tout simplement. Ils veulent les faire souffrir, pas pour s'amuser ce jeu. Je dis ça bien sûr, de mauvaise foi, hein. Je m'amuse beaucoup. Ça m'amuse d'avoir peur constamment. Je ne peux plus dormir la nuit. J'exagère bien entendu. Oui. Enfin bref. Hein? C'est l'arrière, c'est le moment où t'arrêtes de parler. Je suis tombé haut. Mais oui, je me dis la même chose. On est trop pareil. Un fragment de carte. Eh ouais. Je sais pas pourquoi je les ramasse. Mais bon, je sais, je me répète à chaque fois. Alors, où suis-je? Ah oui, ça c'est bien, ça me plaît. À utiliser tout de suite. Oh, j'en avais un autre. Bon, brave. Je viens de faire du bruit. Pas étonné de le voir débarquer. Oh non, il y en a un autre gros. Là par contre c'est dégueulasse. Tiens. Eh ouais, c'est rare que je sois furtif les gars, je sais. Alors j'ai décidé de l'être. Bon, il rôde dans le coin. Ai-je des trucs intéressants faire? Et merde, j'ai maintenu le truc appuyé, ce qui fait que je viens de faire un carreau comme ça. Ça m'apprendra de maintenir la touche appuyée. Bon bah tant pis, hein. Voilà, ça c'est réglé. En carreau, on a qu'à garder ça pour l'instant. Et où faut-il aller? Je ne saurais le dire. Et merde. Essayer de le tuer, ça va être beaucoup plus simple. Oh, il y en a combien là? Ah ah! Bon. Oh putain! Pas une allonge qu'il a lui! Bon! Merde! Allez, recharge! Plus vite que ça, il se décongèle! Aïe! Qu'est-ce que t'en dis de ça, hein? Voilà, meurs, pourriture! Oh, c'est qui le patron ici, hein? Non mais oh! Eh bah, ça a été un petit peu compliqué, mais... C'est passé. Bon. Explorons un peu, explorons un peu. Hop. Hop. Hop.
Alors ici, il y aurait peut-être eu un moyen de les faire tomber dans la broyeuse en leur balançant un disque, enfin une fléchette, je veux dire, et en les mettant bien en face. Donc ça aurait été bien casse-couille, mais à mon avis, il y aurait eu moyen de moyenner. Et maintenant, bon bah, on continue, hein, c'est par là. Alors, quelles autres surprises m'attendent ici? Ici, il y a de la munition. Et là, c'est simplement pour aller, si je ne me trompe pas, dans la salle qu'on a débloquée en mettant le générateur. Voilà, juste à droite. On active ça. Et on se casse. Ça m'a l'air d'être un bon programme. Oh putain! Ah. Ok. Rien d'anormal, rien d'anormal. 22 000 XP, il me tarde de rentrer pour aller dépenser. Oh non! Non, pas toi! Je croyais l'avoir buté pour de bon. Pas de risque. C'est parfaitement normal, ça aussi. Ah mais maintenant que j'ai peiné à tuer trois gros mecs là affreux, j'espère que je vais pas devoir buter Madame J'ai mille bras quoi. Ah, vous entendez cette douce mélodie? C'est la mélodie d'un aller simple à la sauvegarde et donc bien entendu d'un arrêt de la vidéo. Mais avant ça, on va aussi utiliser notre XP. Et puis je vous invite à rester jusqu'au bout tant qu'à faire si vous voulez voir où est-ce que j'ai réparti l'XP. On progresse ensemble dans l'histoire. Ramassons ça. Voilà, comme d'hab, je vous invite à mettre pause pour lire. On change pas nos bonnes vieilles habitudes. Au revoir là-dedans. Voilà, salut toi. Vous avez oublié quelque chose? Non, et toi? Aha. Ah, je suppose que tous les trucs qu'on peut ramasser à chaque fois qu'on rentre et que j'ai zappé, c'est un peu mort. Alors, XP, ça va être vite expédié. De toute façon, je pense que je vais augmenter les armes cette fois-ci. Les dégâts qu'elles font. Alors 12 000, rien que ça. Allez, oui. Eh merde, j'ai plus assez pour shotgun. Et ça j'ai assez. Mais shotgun j'utilise plus quand même. Bon ben voilà, je vais garder ce qui me reste pour quand je pourrai améliorer le shotgun. Parce que c'est bien beau d'augmenter ses capacités, ses aptitudes et tout ça. Mais si on bute les zombies encore plus rapidement d'une seule balle dans la tête, ça serait encore mieux. Ça je peux le ramasser aussi tant qu'à faire. Voilà. Et on va sauvegarder. Et c'est là que je vous quitte en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi qu'un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Cylariel, ciao tout le monde.